Yup tout le monde, c'est Mleur7, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FIFA, enfin FC 24, excusez-moi, toujours pas l'habitude de ce changement de nom. On va se retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo Ultimate Team, tout simplement parce que bah j'ai pas fait de live ou quoi, parce que bon voilà, ça m'intéresse pas plus que toi, pas plus que toi, pas plus que ça. Donc mon équipe actuelle, je vais vous montrer vite fait, bah c'est ça, j'ai mis juste des joueurs au pif, hein, mais elle est pas fofolle. Bon, si je vous montre vraiment, c'est il y a lui, il y a bien évidemment le petit Odegaard qui est là. Il y a également le petit ici. Je vous montre juste mon équipe vraie, la vraie équipe quoi. Vite fait, mais je pense qu'on va partir en draft aujourd'hui. Donc ma vraie équipe, on va dire que c'est plus ou moins, ouais, c'est plus ou moins ça, hein, ce que je vous montre là, avec du coup Martinez. Elle et elle, pas mal de filles, hein. Il y a 4 filles quand même, hein. Donc ça c'est mon équipe actuelle. J'avoue qu'elle n'est pas forcément folle, mais bon, c'est mon équipe actuelle. Je vais pas faire de match avec parce qu'en division, bon, c'est pas très intéressant. Je suis en division 9 toujours, je suis en galère avec mon pote. Je pense en Ultimate Team, je jouerai juste avec mon pote Steven de temps en temps, enfin en division Evolves, mais c'est tout quoi. Sinon les autres fois, je jouerai pas. Ah, c'est là qu'on va pour voir les évolutions. Bah si, je peux continuer mes évolutions du coup. Je voulais mettre Nunez, moi. Je voulais tester Nunez. Hop, je mets Nunez. Boum. Boum. Voilà. Bam. Magnifique. Comme ça, je peux faire le succès. Je le ferai, le succès, du coup. Parfait. Nickel. 51 jours, il reste. Ok. Bah je le ferai, parfait. J'avais pas compris que c'était ici pour voir les évolutions. Bref, du coup, comme je vous ai dit, on va partir en draft. J'ai un peu de pack aussi, j'ai 9 packs parce que voilà, j'avais fait un peu de pack hier quand j'ai un peu joué en attendant que des amis viennent parce que de base, je devais sortir dehors, enfin voir des gens quoi. D'où pourquoi j'avais pas fait de comment dire, de live ou quoi, quoi, comme j'attendais de sortir, j'étais préparé, j'avais fait mes affaires, tout ça. Mais au final, ça s'est pas fait, donc peut-être aujourd'hui je pars. Donc bref, j'ai une draft solo d'ailleurs, j'ai même pas besoin d'utiliser mes crédits, j'allais dire. Mais en fait, j'ai pas besoin d'utiliser de crédits, j'attendais d'avoir 15 000 cents, mais en fait, j'avais oublié que j'avais une draft gratuite, donc on va la faire tout de suite, on va voir ce que ça donne. Donc là, il me propose le 4-2-2-2, le 4-3-1-2, le 5-3-2, le 3-4-1-2. Et le 5-2-1-2. J'ai pas de chance hein, du coup pour les compos ici. Donc soit une des ouais, entre les deux hein, clairement ici. Je pense qu'on va partir sur le. Bah, ça change pas grand chose en vrai de vrai. Donc vas-y on va partir sur le. Vas-y le 4-2-2-2. On va tester ça. Bon évidemment j'ai pas trop joué au jeu. Je pense être un peu nul hein, comme d'hab. Donc ça se trouve je vais perdre au premier tour. Mais bon c'est pas grave. Donc là, premier choix, je peux pas changer apparemment. Ah si, pardon. Donc il me propose Griezmann, carte spéciale, Lavelle. Mais bon, c'est de la MLS, c'est un peu chaud. Le petit Oreda, Golovin, le joueur de Monaco. Donc soit ça part sur Griezmann, Salah ou Golovin. Mais bien évidemment, on va prendre Griezmann, on est français ici. Hein. Donc on prend Griezmann, carte spéciale, apparemment il est bon en plus. Donc voilà, il a quel style juste? On va checker un peu hein, pour ceux qui connaissent pas. Il a pas mal de styles. Hein. Il a tir en finesse, balle piquée, passe incisive, technique, intuition, contrôle et le spécial c'est extérieur du pied. Plus, donc déclenche en fonction du contexte des passes et des tirs extérieurs du pied. Les erreurs sont réduites, donc c'est pas mal. Si je veux faire des passes en extérieur, c'est pas mal. Il a 7 styles de jeu hein, quand même. C'est pas mal. Bref, on va continuer sur directement le terrain. Vas-y. Hein. Avec lui en attaque, on aura alors Schmidt, Miguel, Haaland, Koundé, donc une fille, et Dybala. Donc chaque choix, il y aura au minimum une fille, quoi, quand même, je pense. Ok. Donc là, Haaland, il est gaucher, Haaland. Il est quoi lui? Il est gaucher, donc on aurait deux gauchers en attaque. Ouais, bah de toute façon, là logiquement, non, c'est Liga 2, hein, le petit Miguel, donc vas-y, on va prendre Haaland, mais bon, deux gauchers en attaque, bon.
Je suis pas trop fan de l'idée, donc là ça partira en première ligue, Liga, quoi, un mix des deux. Ouh putain, il n'y a que des filles là. Ouais. Que des filles, donc deux de la première ligue, deux de Bundesliga filles du coup, et un Ligue 1 filles du coup. Donc Tinet, ouais, en français, il y a Loma, ouais. Bah, écoutez, on va prendre la joueuse de Chelsea, mais bon, ça va pas faire trop de liens du coup. Là pour l'instant, on est en trois championnats différents, c'est pas foufou quoi. Caissier, bah du coup, vu qu'il est plus au Barça, c'est plus intéressant malheureusement. Ça aurait pu faire des liens. Donc là, je pense qu'on va partir sur Hochberg, malheureusement. Même si du coup, il est très lent et bon, voilà. En plus, voilà. Ouais, on va prendre Hochberg parce que c'est première ligue, mais en vrai de vrai, bon. Caissier, Hendrick, il repose les deux mêmes du coup. On va prendre soit Coquet, soit Jorginho. Ouais, on va prendre Coquet, je pense, pour le lien avec Griezmann. Parce que Jorginho, il est un peu lent. On va prendre Coquet 70 de vitesse. C'est pas mal, 69. Pour l'instant, mes choix sont un peu bancals. Bruno, ouais, ça part sur l'APL. Hein. Alioulovic, lui, c'est l'ancien. Alain, c'est l'ancien du Barça et tout, là. Du coup, il est dans le championnat Pays-Bas maintenant. Ok. Ça doit être lui, hein, pour ceux qui connaissent, mais. Ouais, on va prendre Bruno. Ouais, bah du coup, c'est parti en mix PL Liga BBVA, mais bon, ça va être chaud quoi. Karcha, oui, ça aurait pu être intéressant. Jordi Alba, ça peut être intéressant. On va prendre Mendy, je pense. Ça aurait pu, mais les championnats, c'est pas bon. On va prendre Mendy parce que du coup, c'est un Français et Liga, hein, donc c'est parfait. Griezmann pour l'instant, bam bam bam. Pour l'instant, on est pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez de ces choix-là, mais bon. Ok, là, premier joueur un peu bancal qui va pas servir à grand-chose. Donc, on va prendre Burn, pardon, le joueur de Newcastle. Le joueur de Newcastle qui est fort. Hein. Ok, on a du Liga, du PL. Ça peut être intéressant. Là, on a Ter Stegen, Ederson. En vrai, les quatre peuvent être intéressants, mais bon. Est-ce qu'on a plus besoin de PL ou de Liga là actuellement? Parce que PL plutôt, hein. Pour Haaland, City, ouais. Argentine, ouais. Et ouais, Manchester United avec Bruno, donc. On a besoin de plus de PL ou de Liga pour l'instant. On a 3 Liga, 4 PL pour l'instant. Ouais, on a quand même besoin de plus de Liga là quand même. Donc un petit jeter-jeter, ça peut être sympa quoi. Malheureusement, il est au Barça. Malheureusement, au Real Madrid, ça aurait été parfait. Bah là, on a quatre bons choix en soi. Hein. En plus, ouais, on a quatre bons choix. Mais bon, on trappe, malheureusement, bah, il passe à la trappe hein, parce qu'il sert à rien. Ouais, jeu de mots facile, mais voilà. Qui vous aurait pris? Bah, Ederson ou Ter Stegen, hein, de toute façon. Parce que, ouais. Onana, il pue la merde. Hein, j'ai testé. Il est dans mon équipe normale. Il est très pion. Et après, les autres. Vas-y, on va prendre Ederson. J'espère que c'était un bon choix. Konaté, la PL, ou Akanji. Ils ont des stats similaires en vitesse, en passe, ouais. En tir, Akanji un peu plus. Les stats offensives, c'est un peu plus pour Akanji, mais Konaté, ça doit être quelque chose. Hein. On va prendre Konaté ici. Hein. En plus, c'est français, donc c'est parfait. On est pas mal niveau lien PL là. Juste changer un MOC, voilà. On est pas mal. Et le dernier joueur, ça sera malheureusement Coleman. Donc, ouais, on lit un PL, on est pas mal en vrai. À part Bruno et. Je t'ai rejeté, quoi, mais sinon, voilà. Ouais, un petit joueur de Liga, par exemple, à la place de la fille ici, ça peut être sympa pour le lien, mais sinon, ouais. Bon, pour l'instant, on est pas mal, tu vois. C'est pas ouf, mais c'est pas dégueu, tu vois. Plus on va sortir au premier tour, donc bon, ah oui, d'accord, le gardien là, bon, on va prendre Lafond parce que c'est un Français, on est content. Machado, le Colombien de Lens, donc ça sert pas à grand chose. White, qui peut peut-être plus servir, est-ce qu'il sert un peu plus? Ou sinon, il y a Tierney, qui on peut prendre? Bah, Tierney, non, du coup, il sert à rien parce que du coup, c'est Liga, mais on a déjà. Ouais, peut-être White plus fort que Coleman, peut-être, hein. On va voir la différence. Ouais, large. White défensivement c'est meilleur, il y a plus de vitesse. Ouais, on va prendre White plutôt. C'est Arsenal en plus, donc c'est mon club quoi. Dest, PSV.
Championnat allemand, ouais, bon là, ils nous aident pas trop, donc ouais, on va prendre au pif là, hein, à ce niveau-là. Hein. Allez, on va prendre Guerreiro. Portugal, ça peut faire un kiff. Awar, ouh, Pelé. Bah frérot, merci quoi, il n'y a pas de. Voilà. Là, les liens, ça fait lien. Ça fait lien, quoi. Les gars, jouer Pelé, voilà, à un moment donné. Le pire, c'est qu'on va puer la merde avec lui, c'est triste. Mais bon. Encore Endrick, Thomas Müller, qui a que 84 cette année. C'est. Waouh! D'ailleurs, il a même pas joué hier en Ligue des Champions contre Galatasaray, je crois. Ouais, c'était ça. Il a même pas joué. Du coup, il peut même pas rajouter une victoire de plus à son record de nombre de victoires là. Donc c'est vraiment dommage. Et je pense qu'on va le prendre hein, de toute façon parce que les autres c'est championnat arabe, championnat. Ouais, bon, on va le... non merde. Oh putain, j'ai mis ce clic. J'ai voulu... j'ai mis ce clic, putain. C'est pas grave. De toute façon, il nous servait à rien. Donc là, on a de l'attaque en gauche ou à droite, attaque en droit ou là c'est hein, mais. Comme dit, aucun nous sert à quelque chose, donc pourquoi pas faire ouais, Arsenal en hein, clin d'œil. Pour l'instant, on est pas mal en vrai, l'équipe est belle. Hein. Di Maria. On prend Di Maria pour le clin d'œil, encore une fois, parce qu'on aime bien ces joueurs-là. Dembouz. Coman, ouais, mais malheureusement, c'est des. Vas-y, on va prendre Dembouz au cas où, mais bon. Bon, là, franchement, la team, elle est faite. Hein. De toute façon, j'ai rien à changer, je pense. En vrai, qui on pourrait changer en vrai? Peut-être un meilleur DC en vrai, c'est vrai, à plus du mec de Newcastle, mais sinon, en vrai de vrai. J'aurais peut-être dû prendre la meuf du coup en DC pour la rentrer sur le terrain. Ça aurait été peut-être mieux. Je viens d'y penser que maintenant, malheureusement, mais voilà. André Silva, ça aurait pu faire lien du coup, si j'enlève Haaland, mais bon, ce serait con pour le Portugal, mais c'est bon au final. Donc vas-y, putain, mais ils nous mettent que des joueurs pas ouf quoi. Gakpo, Dias, on va prendre Gakpo. On a des bons remplaçants en tout cas, mais bon, malheureusement, pas assez de joueurs défensifs quoi. Ou on a Guardiol, on va prendre Guardiol. Ce sera beaucoup mieux. Bam. Oh la défense charnière là, elle est pas mal hein. Ouais, elle est pas mal. T'es quoi toi? Gaucher, bah parfait. Gaucher, lui droitier, ouais, c'est parfait. Franchement, l'équipe elle est pas dégueu en vrai. À part peut-être un meilleur DD. Fabinho. Rafinha, pardon, qu'est-ce que je raconte? Majeri, Ochoa, vas-y, Firmino. Et après, Maxwell Cornet, Politano, Fichtch, Harrison, je connais personne, mon ref. Donc, vas-y, on va prendre Cornet pour le clin d'œil. On se tient de Lyon, face à City, à l'époque, hein, ça remonte. Hein. Mais là, pourquoi prendre un mec de Liga, ça serait cool. Ah merde, c'est Libertador. Oh putain, on n'a pas de chance. Là, il aurait fallu un espagnol, ça fait pour Coquet en vrai. Ah, mais c'est Enrique en plus, j'avais pas vu. Putain, j'ai même pas reconnu, moi, c'est Luis Enrique. Vas-y, hein, de toute façon, pour Coquet, hein, c'est tout. Hein. Vas-y, il y a juste Mendy qui a que deux, mais en vrai, l'équipe est propre. Hein. Je sais pas si... On a 32 de colle, 85 de notes, avec un Pelé hein, quand même. Hein. On a Pelé en meilleur de jeu, c'est ma première draft, hein, vous voyez. Donc franchement l'équipe est pas mal, elle est pas mal, on va faire des petites introductions quand même, même si on n'est pas des pros. Hein. Tactique perso, ce qu'on va faire, c'est vas-y on va laisser en équilibré, on va monter, vas-y on va faire 55-45, voilà, après on fait construction rapide, possession, moi j'aime bien la possession, la largeur ici on va laisser, ça on va laisser comme ça en vrai, on va pas se prendre la tête. Ok, après qu'est-ce qu'on fait? L2, non ça c'est bon. Ah oui, ici. Ouais. Ici, on va dire au défenseur de rester derrière. Ici, dans le dos. Voilà. Rester devant. Pareil, rester devant. Tac. Vous savez quoi? On va se mettre grave offensif sur la partie offensive. Comme ça. Et eux, on va leur dire de rester derrière. Voilà. Et rester derrière. Couper l'in. Voilà, on va dire comme ça, ok? Je sais pas si c'est ouf ou quoi, mais je m'en fous un peu. Et les rôles, vas-y, capitaine Griezmann, tac-tac-tac, penalty, bam-bam-bam, les corners, Bruno. Ouais, on peut faire ça, allez. Oui. Ah, j'ai eu un trophée, du coup. Voilà, petit trophée. Bon, allez, petite draft. On fait le match. On va perdre au premier tour.
J'ouvre les packs, et voilà, petite vidéo qui est faite, quoi. C'est pas mal. J'ai les maillots d'Arsenal, bien évidemment, parce que vous connaissez, hein. Je suis un fan d'Arsenal, les gars. Enfin, fan, depuis qu'il y a tous les Français, hein, qui sont passés, hein. Donc, il y a beaucoup de Français qui sont passés là-bas, donc ça aide à se familiariser. Allez, ça va vous? Oh, il a une meuf, hein, déjà en icône. Âme. Eh ben, écoutez, je connais pas Âme. Oh, elle est en icône. D'ailleurs, j'étais en train de me demander un truc par rapport aux femmes. Est-ce qu'il y a Alex Morgan ou pas dans le jeu? Je l'ai pas encore vu ou entendu s'il y avait elle dans le jeu. Logiquement, oui, parce qu'elle est femme MLS, quoi, mais. Bon, ben, 0 déjà, hein. Donc voilà. Bref, on est un petit peu laid à tester, ça fait plaisir. Parce que c'est un joueur qu'on pourra jamais l'acheter, hein. Putain, lui, il est en tactique perso, c'est obligé. Ah, d'accord. Vous savez à quel point j'aime pas jouer en ligne, donc voilà. Mais bon, on verra. Faute, madame, là. Oh, âme. Tu te calmes, hein? Guardiol. Haaland. Putain, mais super. Bruno qui recule au lieu d'avancer pour chercher la passe. C'est dommage. Couper ligne de passe, hein, Coquet, elle l'a bien fait ici. Magnifique. Pelé, il est là, Pelé. Bon, ok, il s'est fait mal. Ouais, ok, bon. Il se fait détruire, frère. Ouais, mais frère, c'est bon. C'est quoi sa compo en fait? J'ai même pas vu. Quel dispositif? Même ses joueurs, en final, j'ai pas vraiment. Il est en 4-3-3. Non, 4-4-2, je crois. Oui, en 4-4-2. 4-2 contre 4-2-2-2, ça veut dire que c'est largeur au milieu de terrain, c'est beaucoup plus latéral, on va dire. Enfin, il y a plus de largeur. Moi, c'est vraiment, ils sont tous collés dans le même secteur, hein, mes joueurs, du coup. Avec des MOC. Voilà, 1-0, contre favorable, Zebio, pied gauche, alors que le type est droitier, mais bon, vu qu'il a double 5, je crois, ou double, peut-être double 4, je sais pas du tout. Bon, ben 1-0, je suis très nul en défense, donc voilà, surtout s'il y a des comptes favorables comme As. Ouais, il est en coupe ligne de passe et tout, là, c'est pressing à fond, lui. Ouais, je vais me faire torcher, hein. Mais je joue jamais en ligne, les gars, ça doit être mon deuxième match en ligne de tout FIFA, donc. Enfin, en solo, je parle. Bon, ben 0, voilà, ben, c'était sympa, voilà, je vous montre un peu, tu vois, je vous montre un peu comment ça se passe avec moi dans le jeu. Voilà, ben, voilà, premier match, on se fait taper, voilà. Voilà, je vous l'avais dit, c'était juste pour histoire de faire une petite draft, tu vois, histoire de faire une petite vidéo, histoire de jouer un peu, mais bon, voilà, quand tu joues avec des mecs qui tryhard, c'est compliqué, quoi. Voilà, tu vois, mecs qui ont pressing. Ouais, bah, GG, hein. Ouais, nique ta mère, frère. Je veux bien être nul, mais ça, la meuf, ils veulent vous faire un long shot, frère, avec une femme, frère. Respecte-moi, fils de chien, ouais. Ouais, je veux bien être gentil, mais le mec, il respecte-moi. Voilà, tu vois le pressing qu'il met? C'est grave, frère. Bah, GG, c'est GG, tu je te dis quoi. Voilà, ça fait le passe au mauvais joueur. Mais putain, je le prends la balle, il l'a encore. Faut arrêter. Voilà, pousse-le, Konaté. Montre-lui à ce fils de chien là. Il fait le mec là. Il fait le mec qui sait jouer. Je vais te déclencher, frère. Et voilà, il tacle. Ah ouais, les mecs, ils sont là, tryhardés, frère. Ils te laissent pas jouer. C'est grave, frère. Moi, bon, je t'ai laissé marquer, non? Trou du cul, va. Ah mais ces joueurs ils sont trop bien placés, le 4-4-2 c'est trop fort cette année du coup, c'est bon. Ouais d'accord. C'était une belle frappe ça Pelé, je suis fier de toi. Ouais bon les lignes 2, bon. C'est pas trop ça les lignes 2 ici. Passe en profondeur. Je le savais. Ouais. Non mais si tu veux, je te coach, hein, frérot. 3-0. Eh oui, vas-y, humilie-moi, vas-y. Voilà. Humilie-moi. Bravo. Petit changement. J'aime pas cette caméra, parce que frère, je sais même pas où est le bonhomme, frère. Mais GG. 3-0. Ouais, se prendre une. Ouais, âme. Bah, âme, je sais pas t'es qui, mon gars, mais apparemment t'es une icône, mon gars. Genre. Je me demande qui sont les joueurs. Enfin, les gens qui travaillent chez EA, quoi. Qui ont jugé
quelle femme est l'icône, quoi? Genre, par quoi ils se sont basés, quoi? Parce que du coup, il n'y a pas vraiment de. Il n'y a pas vraiment de. Tu sais, de curseur, quoi. Il n'y avait pas de ballon d'or dans le passé, il n'y avait pas de truc, tu vois. Ils peuvent pas savoir qui était vraiment dans l'histoire, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Chez les femmes. Je me demande comment ils ont jugé qui serait icône, quoi. Eh oui, vas-y. C'est Pelé, hein. Pelé, hein. Le mec, il arrive pas. Attends, c'est qui? C'est Ham. Pelé qui arrive pas à rattraper Ham. Bah, super, hein, vraiment. C'est super réaliste, ce jeu. Pelé, il a combien de vitesse dans FIFA, s'il vous plaît? Non, juste pour savoir. Parce que Ham, apparemment, il le trace, quoi. Alors que c'est une femme, hein, mais. Aucun problème, vous avez pas respecté votre joueur, quoi. C'est Pelé, quoi. C'est. Au moins un but, frère, s'il vous plaît. Mais quoi? Ouais, c'est bon, fume ta mère, frère. Hein. Haaland, hein. 92 de général, hein. Pied gauche. C'est grave. Ouais, c'est bon, toi. Bon, bah, GG, il a gagné, hein. Y a rien à dire, hein. Il a fait 3 tirs, 3 buts en plus. C'est ça le pire. Mais bon, c'est comme ça. 4-0. Oh, les gardiens, bah ouais, le mien il pue la merde, hein. Lui il fait 4 tirs, 4 buts. Moi je mets des poteaux. Ouais, c'est pas. J'ai pris qui au goal? Ederson. Ouais, j'aurais peut-être dû prendre Schtterschlegen, mais bon, c'est pas grave, c'est des choix qui sont comme ça, tu vois. Genre. Après, ça se trouve, je fais exprès, tu vois, vu que c'est un gardien citizen. Moi je suis pour Manchester United. Peut-être que je fais exprès, je sais pas, tu vois, mais. C'est bon, toi, avec ta âme, là. Mais qui fait genre, il la connaît, frère. J'aurais pas 94 du général, tu l'aurais même pas pris, gros. Petite PD, là. Ouais, il fait une tête plongeante, mon joueur. Ouais, il va sortir le goal. Bah ouais, anti-jeu, hein, comme d'hab, hein, de toute façon. Oh là là, il gagne 4-0, il fait de l'anti-jeu, frère. C'est. Faut quand même le faire, hein, pour être fils de pute comme ça, frère. Merci. Bon, j'ai marqué au moins un but, c'est déjà ça. Pff, ouais, oui, son gardien il fait des arrêts, lui, par contre. Bon, c'est pas grave, je fais comme avant, hein. Sors ton gardien autant que tu veux, hein, il n'y a aucun problème. Sors ton goal, il n'y a aucun problème. Ouais, lui, il fait. Il a mérite, frère. Moi, j'ai Ederson, un des meilleurs gardiens du monde, frère. Lui, il a mérite, frère. Il a fait une bonne saison dans sa carrière, frère. Mais bon, c'est pas. Va comprendre. Ouais, bah, Pelé, t'as rien fait du match, frérot. Mais vas-y, sois content. Sois content, frère. Bon, bah, 4-0, enfin, 4-1. Mais bon, je joue jamais au jeu. Donc, bon, forcément, tu vois. Mais je voulais kiffer, je voulais tester un peu des joueurs. Mais. C'est ma foi, c'est. Même dans un mode comme ça, je peux pas kiffer. Donc, ouais, c'est comme ça, c'est comme ça, les gars. Donc, voilà. Bah, écoutez, ouais. Bon, en plus, j'ai même pas de changement à faire, quoi. J'ai pas mis, donc. Romain, si je passe par là, Griezmann, super fort, j'avoue. Il a pas touché un ballon, frère, dans le match. Mais j'avoue, super fort, le ref. Hein. Je l'ai pas vu une fois, frère. Mais ouais, j'avoue, hein, c'est super fort, le ref. Bref. Allez, vas-y. Je l'ai même pas touché, mais vas-y. J'aime pas la caméra, elle est trop lointaine, frère. Tu vois même pas où est le ballon, où le joueur est dribble et tout. Tu vois pas. Après, je me charge des excuses, hein, mais. Voilà quoi. Bah oui, ta mère. Tout de suite attaque les frères.
Bon, ça va, il a marqué Griezmann, mais. Ah, il fallait que j'ouvre ma gueule sur Griezmann pour qu'il marque, quoi. Dommage. Soit, mais pourquoi il attend autant? Je comprends pas. Bah oui, c'est trop facile ce jeu. Il a marqué, hein. Bah ouais. Trop facile ce jeu! Regarde le mec, il a juste fait une virgule, il m'a enculé tout mardé. Allez, c'est bon. C'est trop facile à marquer dans le jeu, frère. Ouais, pour l'instant, Eusebio, il éclate Pelé, hein. Il 4 buts, 4 tirs, 4 buts, hein. Eusebio, voilà. 20 fois meilleur que Pelé, alors qu'il a 4 de général de moins, tu vois. Mais après, c'est la réalité du jeu, tu vois. Faut que je mette peut-être Pelé en B. Mais voilà, le mec il se fait pousser, Pelé. Le mec il. Pff, ouais, c'est bon, il a même pas de physique, le mec. Tu parles d'un footballeur. Et il a joué dans une époque où le football, frère, s'il y avait même pas de terrain correct, frère. À un moment donné, normal que le mec c'était une légende. Il jouait contre des. Et c'est bon, frère, j'ai même pas envie de débattre. Et voilà, encore un tacle. Bah ouais, il est obligé de tacler, le ref. Putain. Bah oui, décale ton goal, t'as raison. Triche encore, fils de chien. Je vais pas le mettre, hein, mais bon. Ouais, deuxième poteau du match. Passe en profondeur. Bah ouais, ce jeu est trop facile. Est-ce que mon gardien a au moins touché un ballon dans le match? Parce que c'est chaud là. Hein. Le pauvre frère, il est sur le terrain pour squatter le terrain quoi. Allez. Bon, j'avoue, Griezmann, sur cette deuxième mi-temps, je l'ai réveillé quoi. Vas-y, Mendy, t'es qui, frère? Mais Mendy! Merci. Mais vas-y, oh! Pardon. Je suis légèrement énervé, donc. Vas-y, mais Pelé, frère. Mais allô, allons! Mais putain, mais c'est vraiment des joueurs de merde, hein. Mais Eusebio, il est trop fort! Mais c'est bon, il veut m'éliminer en plus. Oh, Eusebio, il est trop fort, la vie de ma mère, frère! Mais c'est lui qui doit avoir 95, pas Pelé, frère! Putain, comment on le suce Pelé alors que, frère. C'est trop, frère. Bah oui, forcément. Bah oui, allez. Le mec il marche avec son S, mais il est trop fort, frère. C'est qui ce type, frère? Le gars il a même pas la moitié de la carrière d'un Cristiano Ronaldo. Il me casse les couilles, ce fils de pute de Zébio là. Bah, tire au milieu, frère. Bah oui. Tire bien à droite, tire avec la femme exprès. Hein. J'ai pris un rouge en plus. Ouais, c'est bon. Elle ressemble vachement à Alex Morgan par contre. Ouais, fais le malin, ouais, avec ton mental, ouais. Tu pues la merde, frère. Qui sait pas jouer, frère. Il rend Di Maria, que c'est mignon. Ouais, tu le fais jouer quand t'as déjà gagné le match depuis 20 minutes, mais c'est bien. C'est de chien, va. Ouais. Le jeu pue la merde, vraiment. Genre, les buts, c'est aléatoire. Gros, t'as juste à tirer, tu marques. Il fait que passer sur le côté. Mais Mendy, tu pues la merde, frère! Vas-y! Qu'est-ce que je fais confiance à un mec comme ça, frère? Ouais, bravo, ouais. T'as fait un arrêt parce qu'il t'a fait une passe, frère. Oh, mais Ferland Mendy, il pue la merde, la vie de ma mère.
pas. Et combien il va tacler? Mais voilà! Oh frère, il sait pas jouer! Ah oui, il fait pause. Ça y est, t'as gagné le match, fils de chien. Oh, c'est grave, frère, la mentalité du mec. Tu vas entrer un défenseur, vas-y, frère. Pas sûr que ce soit une bonne idée, ça, mais bon. Non, tu sais quoi, je mets White au centre, je mets Coleman. Tant pis, hein. C'est un gamin, la vie. Oh, heureusement que j'ai fait très pas fort le centre. Hein. Putain. Quel jeu de mongol, frère. En vrai, le mec, si je... Si... Pff, ouais, il fait trop le malin, frère. Bah, GG, de toute façon, il est rentré dans ma tête, donc... Il n'y a pas... Putain. Pardon, je suis un peu nerveux. Oh, j'aurais pu tellement le battre, le mec. Mais bien sûr, allez, c'est bon, il t'a rendu la pute, frère. Allez, c'est bon, frère. J'ai même pas envie de jouer, c'est bon, ça va saouler. Gagne ton match, c'est bon. Comment il savait que j'allais tirer à gauche, frère? C'est la honte des frères. Hors jeu! Vas-y, fais trop le malin, frère. Allez, fais le mec encore. Et vas-y, mais putain, non ! Mais putain ! Quel jeu de merde ! Le mec, il vient, il l'encule de cul, frère. Et voilà, il fait passer le temps, il est content. Allez, c'est bon, nique ta mère, frère. Mais putain, mais Griezmann, il est fort, mais qui a dit qu'il est fort, fils de pute, là? Tu pues la merde, Griezmann, frère. Ouais, moi, je suis un rageux, le mec, c'est un fils de pute, là. Vas-y, c'est encore un fils de pute de Parisien, ça, je suis sûr. Ça va pas jouer au foot, frère. Oui, mais... Et voilà... C'est trop grave, c'est trop grave. C'est quoi ce match? Mais c'est bon, FIFA, c'est de la merde, je le revends. Je l'ai en CD en plus, c'est parfait, je le revends, frère. Ouais, c'est bon, je le revends, ton jeu éclaté, là. Hein. Mec, tu fais 6 tirs, 6 buts, frère. Il t'amère la pute, frère. Ce jeu éclaté au sol, là. C'est bon, je le revends, frère. Je me suis énervé sur la fin. La vie de ma mère, c'est après 8 ans, je perds 3-0. J'étais content, limite. Je rageais pas, j'étais de me retenir. Mais la vie de ma mère, ça pue la merde, ce jeu. C'est quoi ce jeu de clochard, wesh? L'autre il fait que des tacles, frère. Bah, nique ta mère, Eusebio il est trop fort, frère. Pelé, puis la merde, c'est bon. Pelé, frère, 95 de général. Le mec, il a 91 de général. Eusebio, il l'encule, frère. Non, mais c'est bien, bravo, le jeu, il est logique, quoi. Et c'est bon, je vous fais mes packs, tu vois, Meni. Non, même pas, Camara, frère. Non, pardon, j'ai perdu mon sang-froid, j'avoue. Non, mais j'avoue, j'aime pas FIFA, moi. Je t'ai dit, j'aime pas jouer en ligne. Voilà pourquoi j'aime pas jouer en ligne. Le mec, il fait que tacler, le ref. Nique ta mère la pute, c'est bon. Allez, c'est bon, frère. Mendy à gauche, il pue la mienne.
Fernand Mendy pue la merde, frère. Ah, c'est bon, le mec, je prenais le ballon, il volait pas, le gars. Il était là. Ah, je t'encule! Et le mec, il le bloque le cul derrière. Et ta mère la pute, va, Mendy. Le mec, c'est juste un mec rapide. Va faire de l'athlétisme, fils de chien. Va faire le 100 mètres, qu'est-ce que tu me fais chier, là? Trou du cul, va, le mec, il est. Non, c'est bon, ça m'a saoulé. Les footballeurs comme ça, qui ont juste de la vitesse pour courir, ta mère la pute. C'est bon, des joueurs comme ça, frère. Bah, je suis énervé, ça y est. Pelé, on l'a pas vu une fois dans le match, frère. Non, c'est bon, ça m'a saoulé. Non, c'est bon, ça m'a saoulé, frère. Je veux bien être nul, hein. Je joue jamais au jeu, je veux bien être nul, mais la vie de ma mère. Je mets deux poteaux dans le match. Eh, hey, c'est bon. Oh, défenseur du United, ça peut servir en vrai, mais je pense que j'ai meilleur. Je pense que ma joueuse d'Arsenal est meilleure, l'Australienne. Bref, je me suis énervé un peu trop facilement. Désolé, les gars. Non, mais vous me connaissez, de toute façon. Tous les matchs, je finis à bout. Oh, le mec, il me laissait pas jouer. Moi, je le laissais jouer, j'étais chill, j'étais détente. Le mec, il te regardait. Ta mère la pute. Et c'est bon. Eusebio, trop fort. Hein. 4 tirs, 4 buts, tout simplement. Hein. Quadruplé, le mec. Eusebio, trop fort. J'ai rien pu faire avec Pelé. Hein. Le mec, dès que j'avais le ballon avec Pelé, le mec, il me taclait. Non, mais GG, c'est pas grave. C'est GG à lui. Non, ouais, propre. Bravo à lui. Rien à dire. Argentine, ça c'est un joueur spécial là, un joueur de championnat argentin éclaté là. Figal, bah écoute, voilà, j'ai pas de blague. Figal, Figaro frère, aucune idée. Allez, 75 plus, j'ouvre ça vite. Français, BU, Lyon, à la casette. Ouais, mais bon, Lyon, cette année, bon. Ah non, même pas, c'est le Sommer. Bah chez les filles, c'est pas mal Lyon, mais. Ouais, pourquoi pas, j'aime bien. 4 étoiles geste technique, 5 étoiles mauvais pied. Pas ça, 70 de vitesse, par contre, c'est pas terrible, madame, mais c'est pas grave. Pourquoi pas, hein, si on peut jouer en classe. En clash d'équipe, la petite Le Sommer, pourquoi pas. Hein. Angleterre, DC, Manchester City, Stone, du coup. Ah non, il est plus. Ah bah non, il est plus. Bah non, il est parti, non, Stone. Bon bref, Greenwood, une femme de City, du coup, c'est vrai qu'il y a des femmes aussi, donc bon. Avec Robert Stone. Robert Stone, ouais. Bon. Bon, les packs pas terribles, hein, comme d'habitude. Là, j'ai du 80, 81, 83. Voilà, je sais pas d'où ils viennent, ces packs, mais bon. Voilà, d'un objectif, j'imagine, hein, mais lequel, je sais plus. Espagne, MC, Pyro. Non, par ça, ça doit être. Ça doit être. Pedri, Gavi, ouais, c'est Gavi. Full, ouais, c'est. Ouais, presque full 70, hein, presque. Sauf deux stats un peu en dessous. Mais pourquoi pas? Gavi, c'est pas mal, 83 avec le petit Shaw. Luke Shaw, il a tout le temps 83 de gêne sur les FIFA, mais le mec, c'est pas non plus. Tu vois? Il mérite pas. Enfin, quoique, je crois que l'an dernier, il avait moins, non? Non, il avait 80, qu'est-ce que je raconte? Il avait pas 80 la saison dernière, ou 79. Non, j'ai de la merde, pardon. Orban. C'est Orban, ça. On reconnaît. Je crois que je l'ai déjà. Voilà. Je connais tellement mon club, mec. Bon, Orban, est-ce qu'il y a un SBC à faire avec un 83? Alors, on va regarder les SBC. SBC, on a dit qu'on fait pas les joueurs hein, cette saison. Donc voilà, il y a le truc pionnier, mais pionnier, c'est un truc trop dur à faire en vrai, c'est chiant. Eh ben écoute, il y a affiche UEFA, il y a quoi? Il y a Leipzig en plus. Un joueur de. Ah non, c'est Sarpsborg, pardon. Mais du coup, ça marche pas. Peut-être qu'il faut Bundesliga, non? Joueur de même pays, région max. C'est quoi, on va faire celui-là et on va mettre du Bundesliga hein, en vrai. Comme ça met Orban. Donc je mets Bundesliga. Hop, et on met Orban. Hop, boum. Oh, merde. Non, tu sais quoi, je laisse tout. Orban, hop. On met. Est-ce que ça va mettre Orban direct? Eh ben non. Non. Donc on garde Orban, bien évidemment. On garde lui, évidemment. Oh, ça marchait en plus, hein, ils nous ont tout mis, hein, mais hop, voilà. On fait ça comme ça. Le reste, je pense que je peux balancer. Il n'y a aucun souci. Il manque deux. Ah non, le gardien, pardon. T'es un fou, toi. Ah ouais, mais c'est Dortmund. C'est quoi, Dortmund ou Newcastle? Ok. Bon, est-ce que j'ai d'autres. Attends, on va mettre Bundesliga. Sinon, je mets du Premier League, hein, vite fait. C'est pas très. Bundesliga. J'ai plus personne. Ah oui, merde. J'ai mis gardien.
On a que des postes défensifs là. Ok, on va partir sur de la PL hein, du coup. PL pour les trois postes qui nous manquent. Alors, il faut du Newcastle. Ben, on a du joueur, mais bon. Je n'ai pas envie de les balancer quoi. Ouais. On n'a pas de Newcastle au final. Non. Ah merde. Ça m'arrange pas ça. Bon, bah, au pire, ouais, mais c'est 77 quoi. Bon, nique sa mère. On finit l'équipe. On peut mettre n'importe qui là en vrai. Ici. Est-ce que Dortmund ça compte si je mets des filles ou pas? En vrai. Ça existe filles Dortmund ou pas? Je check en vrai. Ça doit exister, non? Dortmund filles. Ouais, bon. Non, non, ça existe même pas. Dortmund filles, ça existe pas? Ouais, choqué. Bon, ben, ok. Bon, Dortmund. Du coup, on a personne. C'est quoi, on va acheter vite fait Dortmund. On va mettre Dortmund, tac. On achète, hein. Brandt. Ouais, vas-y, Brandt, hein. Putain, ouais, ça coûte pas cher, hein. Merde, non, pas 10 000, t'es fou. Hop, ouais, super, on me le vole. Ouais, c'est magnifique. Hop. Parfait. Hop, voilà, comme ça il est content. Et puis le reste, on met au pif. Hein. Le reste, en vrai, de vrai, on met au pif. Hein. Enfin, merde, j'aurais pu laisser MDC du coup. Je mets au pif, en bref. Je mets le premier qui vient. Enfin, le premier, il faut pas abuser, mais genre, t'as compris. Hop, il y a Mendy, c'est parfait. Et au goal. Appel, hop, c'est parfait. Allez, hop, on a mis notre doublon, on est content. Hop là. Parfait. C'est quoi, on va faire tout de suite l'autre, comme ça se fait. On va mettre Serie A. Hop, voilà. Bam, tu vas pas me saouler. Pays, région, max 4. Je vais aller 5 là. Ok, on va enlever ce pays. Et voilà. Alors. Qu'est-ce qu'on a de beau ici? C'est vrai que j'ai pas beaucoup de joueurs en plus dans mon club, donc voilà. Que des gardiens, bah comme souvent ça, c'est super. Grave chiant ça. Hop. Hop. Voilà. On va garder Kaiser, faut pas déconner. Je pense qu'on peut partir sur cette base-là. Et l'autre truc, c'est quoi? Sarpsborg? Ah ouais, mais bon, ça marche pas. Il faut 22 de colle. Ok, on va aller chercher de l'italien. Alors, attends, on va mettre Italie. Parfait, je peux en mettre des meufs. C'est sûr que je vais pas jouer, lui. Mais le truc, c'est que c'est encore que des défensifs, quoi. C'est. Quel genre de bail ça? Hop, ça c'est fait. Hop, ça c'est fait. Voilà, on a le 22. Maintenant, on peut finaliser tranquille. Hein. On met n'importe qui maintenant et ça passe. Hein. Allez, on va mettre lui. Voilà. Que des mecs qu'on va pas utiliser, quoi. Enfin, dû à leur championnat. Hein. Bien. Oh, Ugarte. Il a de bonnes stats en vrai, Ugarte. Ça peut être. Hop, on va mettre lui, comme ça fait le lien avec la meuf là-haut. Comme ça, elle est contente. Ah oui, il faut que je fasse gaffe aux nationalités. J'ai quoi là? Français, Portugal, 1, 2, 3. J'ai 4 nationalités là, c'est bon. Je crois. Hein. Mais du coup, il faut que je reste sur du français ou du. Ou du croate ou du portugal. Ok. Et ben, vas-y, hop, Camara. Voilà. Hop, magnifique. J'aurais peut-être dû garder cette possibilité de pack pour au cas où j'ai d'autres doublons quoi, en réalité. Mais bon. Nique sa mère. Hein. Oups. Hop là. Orban, on est content. Putain, la vidéo, je sais pas combien de temps elle va durer du coup les gars, désolé, mais.
Italie, DC. Oh, c'est qui ça? Altiode. Ah, je sais c'est qui. Felipe, ok. Au pire, si c'est que du vendable là. Non, il y a deux vendables et un non vendable. Ok. Bon, là, c'est vendable donc c'est ok, même si j'ai en doublon. Allemand, MDC, Autriche. Un nom Kimmich? C'est peut-être une femme. C'est Kimmich, 88, c'est pas mal ça. Première animation. Kimmich, ça fait plaisir. Kimmich, ça fait grave plaisir. Il coûte combien juste pour savoir comme ça? Il coûte. Bah, tout est au max, hein, 45 000. Ah non, 28, 20, 25. Est-ce que je le vends du coup? Parce que j'ai pas de Bundesliga en soi. Après, j'ai le petit Guarachi, donc. Enfin, Guarachi, qu'est-ce que je raconte? J'ai le petit. Merde, comment il s'appelle? Guirachi, j'ai dit. Qu'est-ce que je raconte? Bref, le BU là. Le français. Ça coûte 25 000 en vrai. Bon, pour l'instant, je le garde, mais à tout le monde, il part quoi. Parce qu'en soi, j'ai pas de Bundesliga. Après, ouais, non, j'ai pas de Bundesliga, donc. Après, c'est toujours ça, 25 000 de. Canadien, MDC, c'est qui ça? Ça doit être une meuf du coup. Cassé. Ok, Scott, 84, pas mal, hein? 84, 60, un peu manque de vitesse, mais pas mal. Hugo Lloris, 83 avec Trossard, ok. Sinistrera. Moi, bon, je suis un peu calmé du coup. J'ai un double en bronze, mais à quel moment, frère? Ouais, bon, ouais, voilà. C'est quoi? Hop, on se fait pas chier ici. Et on se finit avec le 83 plus 10 éléments. Ça, c'est par rapport au niveau, par rapport au pass, on va dire. Ça, c'est Grimaldo, ça. Trop fort, Grimaldo, je le kiffe. Enfin, je sais pas s'il est fort dans le jeu, mais c'est un joueur que je kiffe. Donc pourquoi pas avec Kimmich, hein, il peut faire le taf. Pas mal de doublons ici. Süle avec Benacer. On a 5,84 quand même. Hein. Le pack, c'est quoi? C'est 4. Sterling, oh, on a des bonnes notes. Je crois que par contre, ouais, on a du doublon ici. Hein. Ah ouais. Chiant. Tchouaméni, Schmidt et Orzerdabal. Putain, je vais pas retenir ça, frérot. Pourquoi je vais ici, moi? Ok. Schmidt, Tchouaméni et Orzerdabal. Putain, là, je suis obligé de faire un gros truc du coup. Renfort icône 87, non. Ça, non. Double renfort peut-être? Je sais pas si. Il faut une 84. Ouais non c'est trop ça. On va tenter quand même mais bon. Alors, déjà ils m'ont pas mis ce que j'ai besoin de mettre, donc c'est un peu dommage. Ils ont mis aucun que j'ai besoin quoi. C'est fou ça. Hein. C'est fou enfin. Bon déjà on va mettre ce que j'ai besoin, donc donc lui on va garder. Ceux que je suis sûr de garder, tu sais quoi, je les mets là. Au pire les meufs, je peux les jeter, hein, il n'y a aucun problème, tu vois. Surtout si c'est de l'invendable. Donc il faut le Tchouaméni. Doublon. Il y avait la meuf. Donc c'était elle. Et il y avait Ojarzabal. En vrai. Vas-y Scott, je vais pas l'utiliser. De toute façon, il n'y a pas besoin de lien, hein, c'est un truc à note. Donc je vais la foutre là. Wilson, je vais le garder. Saka, je vais le garder aussi, bien évidemment. Je suis large là en termes de notes, donc en vrai, Odierzabal. Voilà, et puis après. Ça me fait chier de jeter certains, quoi. Genre Kimmich et tout. Donc lui, c'est sûr, je le garde. Les meufs, comme je dis, je m'en fous. Elle, c'est invendable, donc je m'en fous. Lui, c'est invendable, donc je m'en fous. Kogel, c'est invendable, donc je m'en fous. Dante, c'est une carte spéciale, donc j'ai bien envie de le garder. Et Kimmich, vu qu'il est dans vendable, j'ai bien envie de le garder. Donc pour l'instant, il y a E4 qui sont potentiellement. Pourquoi pas une bronze, hein. Je vais jamais la jouer. Même si. Mais je m'en bats les couilles en vrai. Hein. Je joue pas au jeu, les gars. Donc. Je vais mettre lui, hop. Et après. Stone, hop. Je suis à combien? 85. Je peux même baisser la note si je veux. Alors, qui je pourrais mettre potentiellement que. Qui va pas m'intéresser à jouer? Spalling, il est pas intéressant. Donc je hop, je garde ça. Peut-être garder mon gardien, y mettre un autre peut-être aussi. Genre toi. Parfait, je peux encore baisser la note hein, les gars. Qui je pourrais mettre? Oh, j'ai Rousseau. Je voulais le tester.
J'ai beaucoup de femmes en fait, c'est fou ça. C'est fou ça. Presse. Presse aussi, hein. Voilà, là on est à 84. Mettre plutôt ça du coup. J'ai mis mes trois doublons. Et après bronze, il y en a, ils vont peut-être râler que je mette bronze et battle, mais bon. Peut-être râler, mais bon, je m'en fous un peu. Au pire, râler, c'est pas grave. Allez, je mets 11 joueurs pour avoir que 2 en échange. Donc bon, j'aurais peut-être dû faire l'icône quoi au final. Enfin, je sais pas, il faut des équipes quoi pour l'icône, mais bon, voilà. Peut-être plus faire l'icône quoi au final. Mais bon, on s'en fout. Bon, allez, 2 joueurs 84, est-ce que je vais regretter? Je pense oui. Attention. Payer. Oh, Lewandowski? Oh non, c'est la meuf. Putain, ça aurait pu être Lewandowski, il me redonne la meuf quoi. Putain. Le pire, c'est que je la mets pas dans les SBC. Pour la ravoir quoi. Oh putain, c'est pas genre. Fais pas genre, t'es déçu quoi. Bah si là je suis déçu quoi du coup. Il faut quoi? C'est quoi comme équipe ici? Ouais tu vois 86-85, putain j'aurais dû faire l'icône plus tôt du coup. Je suis vraiment con moi. Ouais j'aurais peut-être dû faire l'icône plus tôt. Je suis con, j'aurais pu faire l'icône en vrai. Ouais, je pourrais faire l'icône en vrai de vrai. Bon, malheureusement, ça m'a mis toute ma team, donc. Quoique je pourrais pas faire l'autre équipe là. Enfin quoique j'ai beaucoup de 84 tu vois mais. Non là je pourrais pas faire l'autre équipe si je fais ça. Faudrait que je baisse celle-là déjà donc. Ouf. Ça, je suis bête, j'aurais pu faire l'icône du coup. Bon soit je peux toujours hein, mais. Ouais en soit je peux toujours mais. Je vais me faire engueuler dans le chat. Enfin, dans le chat, dans les commentaires. Oh non, il faut pas déconner. Je pense que je peux plus baisser. Bon, je vais probablement me faire engueuler, hein, mais. Kimmich, t'es les vandales, mais bon. Vas-y, c'est quoi, nique sa mère. Allez. On tente, hein. Il tente à rien, comme on dit. Genre, donc je la récupère. On va la refoutre dans l'autre équipe. Hein. Allemand, DC, Dortmund, Hummels? Oui, mais il est que 83, malheureusement. J'étais en train d'hésiter avec Klosterberg, le mec imprononçable. Et ça doit coûter pas cher, hein, du coup, 800. Voilà. Ouais, c'est dommage. Ouais, si je le mets vraiment à 800 par contre. Bon allez, ouais, j'aurais dû plutôt faire ça direct en fait, parce que là du coup je perds mon temps. Je perds beaucoup de joueurs aussi. Hein. Là on est à pile, je pense qu'on va faire ça déjà. On va mettre. On s'en fout du col ici, non? Mais le truc c'est qu'ils m'ont mis vraiment mes meilleurs joueurs quoi. Rousseau, j'ai envie de la test. Il me manque plus qu'Odegaard à garder. Ouais mais du coup ça me descend la note. Là c'est que des joueurs que je joue pas. Hein. Ouais là c'est que des joueurs que je joue pas. Donc là il me faut une grosse note encore. Fais chier. J'en ai plus des grosses notes en fait. Bah Dante, hein, je vais pas le jouer en soi. Voilà.
Oh putain, j'ai atteint la limite de live. Vas-y, je pense que... Ouais, Dante, tant pis. Hein. De toute façon, j'ai pas le jouer. Hop. Il est achetable, Dante, de toute façon. Donc, Hop, on ouvre l'icône et ça fera fin de vidéo. 1 heure, hein, la vidéo, du coup. Bon, allez, on se finit sur l'icône. Elle est où? Wesh. La boutique. On finit sur l'icône. Il faut que je skip. C'est une 87 max. Hein. Icône de base 87 max. Donc bon, ça risquait d'être bien claqué. On va voir. Première icône. Anglais. DC. Rio Ferdinand. Oh putain, c'est Campbell. Bon, bah, première icône du jeu, c'est Campbell. Voilà. Petit Campbell, quoi. 86. Voilà, il va peut-être rentrer dans ma team, du coup. Voilà. Bon, du coup, longue vidéo. Hein. De base, je voulais juste faire une draft et ouvrir mes packs. Mais au final, c'est 1 heure. Putain, j'ai mis du temps. Hein. Mais c'est tout ce qui est création et tout. Je pourrais couper, du coup, sur la rediff, tu vois. Couper les moments de blanc et tout. Mais comme je vous ai dit, moi, j'aime bien les longs contenus où je monte tout et tout. Donc voilà. Oh putain, tout mon banc a sauté. Hein. Du coup, le pauvre. Du coup, ouais, hein, Campbell il va rentrer à la place d'elle, hein, du coup. Hein. Hop, et le petit Campbell qui rentre. Hop là, parfait. Voilà, ma team elle a pas changé. Il y a juste Campbell qui est rentré. Et puis bon, mon banc, malheureusement, il s'est fait démonter. Mais c'est pas grave, je vous laisse là-dessus. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre le petit like, le petit commentaire, à réagir. Et puis voilà, je pense que c'était une vidéo quand même sympa. Il y a eu un peu de tout. Bref, je vous laisse là-dessus. Ciao! N'hésitez pas à vous abonner aussi, à partager et rejoindre mes réseaux Instagram, Twitter, Snap, Discord et me suivre sur Twitch pour les lives. Bref, petit aparté, ciao.